Et bonjour à tous, bienvenue sur Farming Simulator 2017 sur la map No Cheat où on est toujours. Là, ça va être un peu la même chose qu'on avait fait l'autre fois de la moisson, je sais. Hein. Dans le titre, je mettrai on commence et j'ai fait des nouveaux achats. Donc, on a gardé le fen, faut savoir que le massé et la presse avec le groupeur vient du concessio, donc c'est concessio qui nous le prête pour travailler dans les champs. Donc j'ai pas fini l'autre champ, mais voilà, je vais pas vouloir faire de la presse avec vous. J'ai dit on va avancer un peu dans la map, sachant que les vidéos sortiront avant le live de dimanche pour ceux qui ont vu le live. Donc j'espère que vous l'aurez bien aimé le live. Désolé pour les vendredi, hein, problème de cours, hein, et puis samedi j'ai pas voulu trop streamer non plus. Donc là on a acheté de nouveaux matos. J'ai acheté mon tracteur, donc le 250 chevaux Renault Atlas 936, et j'ai changé la remorque de base pour une remorque Sodimac, je crois de 15 tonnes, mais je prendrai une plus grosse, et si ce serait une remorque fumier plus tard. Là c'est une remorque à grains, et la moissonneuse ne nous appartient pas, elle nous appartient au concessionnaire. De toute façon ils changeront de matos, vous verrez, c'est moi qui change de matos. Donc voilà. Donc là, on va avancer dans la partie. Bon, là, on fait la même chose, hein, mais cette fois, j'ai acheté le nouveau matos. Faut savoir que je vais acheter un Kubota qui va servir pour pulvériser. Bah ça sera plutôt l'OTA qui le plutôt le concessionnaire qui fait ETA qui va acheter un Kubota pour le pulvérisation. Voilà. Moi, je vais changer parce que j'ai vu que j'avais encore la charrue, mais je vais la changer pour une grosse charrue. Je vais voir le prix, combien ils me la revendent, combien ils me la rachètent. Voilà. Sachant que j'ai pas mal de trucs à acheter et que c'est un peu ric-rac. Donc, j'ai aussi le semoir, mais je pense que je change aussi. J'ai avancé un peu en off tout à l'heure, voilà, attendre la personne qui venait. Donc le temps qu'elle venait, ben je dis je vais avancer sur cette partie au lieu de jouer en ETS, à ETS2. Voilà. Donc plein de choses est arrivé. J'ai même enfin conduit mon nouveau camion parce que vous avez vu la vidéo qui est sortie bon, samedi. J'espère que vous l'avez bien aimé. Désolé qu'elle est un peu longue. Mais bon, c'était l'intro qui a duré 20 minutes, je pensais qu'elle durait moins, mais bon, on verra bien. J'aurais dû faire plus court. Donc là, aujourd'hui, c'est toujours moisson de blé, mais cette fois-ci, je ne vends pas. Je vais stocker mon blé, et tout ce qui est paille de blé, je vais y vendre. Parce que je vais faire des bottes ici. Ça sera pour le vendre, pour gagner un peu de sous. Ça va pas rapporter grand chose, mais au moins on aura de quoi. Je pense que je vais voir si j'ai moyen de payer une autre, pas une payer une auto-chargeuse, mais la louer plutôt. Ça éviterait de la presse, on verra. Donc voilà. De toute façon, on refera de la moisson. Je verrai ce que je ferai comme moisson, sachant que je vais pas acheter des big bags. Le grain va me servir de semence, mais normalement en réel on achète de l'engrais, de la semence. Donc voilà. Et j'ai oublié de mettre un autre truc qui est mon chronomètre. Ça j'ai toujours. Donc le fen on le garde pour l'instant, ce sera notre valet de ferme, mais de toute façon il sera vendu pour un autre. Je vais voir combien ils me le reprennent. Et je sais ce que je vais acheter pour la ferme. Et pour ce qui est du pulvée, de toute façon on verra bien. Le terrain.
On aura pas mal de blé. Mais cette fois-ci, je vais le stocker. Bientôt être plein. Donc, le gros va nous servir tout ce qui est à charrue, tout ce qui est travail de sol. J'en ai un qui va être valet de ferme et le TA va acheter pour pulvériser les champs. Ça va bien tomber en plus. Alors attention à vos oreilles. Lui, il va faire du bruit. Oula. Et demandez-moi pas le lien du tracteur, il est privé. J'ai une 3D que j'ai achetée et que j'ai fait scripter par Sunkmoning. Donc là, on fait toujours de la moisson. C'est un peu chiant, mais à la longue, on va réussir. À la longue, on va réussir, de toute façon. On va réussir à la longue à avoir du matos correct. Pour l'instant, on est céréalier. Et après, plus tard, on s'évoluera dans l'exploitation animale.
Et ils m'ont dit que le concessionnaire voulait changer sa boîte pâte, comme il travaille aussi à l'ETA, le gars, donc le patron. Du coup, voilà, il voulait changer sa massée, il voulait voir pour une autre moissonneuse. Tant mieux pour moi, j'aurai une plus grosse famille, on verra. Voilà. Bon, c'est encore long hein, avec une petite moissonneuse comme ça. Hein. Mais bon, on n'a pas les moyens. Hein. C'est soit ça, soit il n'y a pas de batteuse. Hein. J'ai dû avoir pas mal de blé quand même. Donc une vidéo de peut-être une quinzaine de minutes, j'espère. Voilà, c'est toujours la même chose, hein. Moisson, 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 mais bon. Pour l'instant, on peut faire que ça. Allez, hop, on est chercher le tracteur. Voilà, désolé pour le coup de lag. Voilà.
Excusez-moi, veuillez verser. Bon. Dans 2 minutes, je vais vous laisser. Ça va faire 17 minutes, mais au moins, vous aurez quand même une petite vidéo. Il a du mal. Hein. Oh là là. Bon, il a 15 tonnes 500. Donc c'est une petite capacité. Hein. Mais là, on va stocker à la ferme. Je ramène le tracteur au champ. J'aurais peut-être pas mal de blé. Moi, je suis content de mon petit Renault. Donc, ce sera celui-là, le gros bébé. Peut-être qu'il y en a un autre, on verra. Mais si ça descend ici. Parce que moi, j'adore cette map. Et pour l'instant, c'est la seule que j'ai trouvée. Voilà, désolé. Voilà. Bon, j'ai laissé le portail ouvert, c'est normal. Ça permet de descendre de FPS. Donc le voilà, le tracteur, il est ouf. Je vais vous le montrer. Et voilà. Donc, voilà, il est ici. Et la charrue, elle est là encore. J'ai pas vendu. Je vais vous montrer. Voilà. On se met à la vitesse 0, on va ouvrir. Voilà, il reste le semoir. Le semoir, je regarde la puissance. Si est-ce que mon tracteur pourrait le prendre? Ça nous éviterait 270 et mon tracteur il fait 250. C'est mort. Il faudrait que je regarde dans les prix. Dans les prix, s'il n'y a pas mieux. Alors désolé les petits coups de lag. Alors j'espère que ça pas crash. Oula, voilà. Donc je vais voir ce qu'il y a. Alors, je vais voir si je peux pas prendre un semoir porté. Alors j'ai mon portable qui avait chronomètre. Désolé, c'est un peu fort. Je ramène ça au champ après. Pas vu. Si elle est là. Ça avait bien fait la remorque du 76 max. Je ramène le tracteur et on se laisse au champ.
Lui, il va bien tourner le tracteur. Là, c'est la remorque. Voilà, je vais. Je vois, j'en ai une de 40 tonnes. Oui, 40 tonnes. Hein. Je pense que mon tracteur va pas faire fuir devant ça. Donc voilà. Donc nous, on va. Je ramène le tracteur. La mouette va aller ranger. Bah, elle reste où elle est dans le champ, hein, juste tant que le champ n'est pas fini. Donc voilà. Donc, avec. Voilà, quelle vue. Donc nous, on va se laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire positif ou négatif. Hein, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo ou le live, n'importe quoi. Quand je suis en live, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur des trucs. Voilà. Nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à plus.